Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici Baltu55 pour un petit genre de vlog encore une fois. Comme vous pouvez le voir, je suis devant mon PC, hein, vous pouvez voir ma page, enfin ma fenêtre YouTube, ça vous pouvez voir mon super écran NEC. C'est tout ce qui va être super, parce que bon, je ne vais pas vous montrer ma tour, elle n'a rien d'extraordinaire, c'est une merde, c'est une bouse, c'est du Picard Bell. désolé. Et donc, comme je disais, gestionnaire de vidéo. Voilà. Vidéo en ligne 200. Je viens de mettre en ligne ma 200e vidéo. Et si je reviens sur ma chaîne. Voilà. Avec la lumière. Allez, 10 abonnés, 3000 vues. Voilà. Bon, ben. C'était bien comme petit vlog, non? Non, je déconne. Comme vous pouvez le voir, étant donné que je filme, vous savez que maintenant je peux donc me déplacer. Et donc, on va aller faire un petit tour dehors pour fêter tout ça. À tout de suite. Allez, hop, je vous emmène avec moi ce coup-ci. Pour des soucis de sécurité, hein. Je ne vais pas vous montrer où je suis, où j'habite, mais bon, je vous emmène avec moi. Salut. Lumière. Allez, bienvenue chez moi. Ça bouge un peu, normal, je marche. On va aller faire un tour dans la forêt là-haut, en face. Que je vous mette une belle vue panoramique de ma ville. Mais enfin, j'aurais pu aller de l'autre côté, mais bon, si je vais de l'autre côté, on voit pas ma ville, puisque la ville elle est là en dessous. Déjà, on va dire qu'on va dire bonjour au Rhône. C'est un peu de la lumière. J'espère que ça va aller. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, ça va. Bonjour à National 7. Bonjour National 7, forcément. Voilà. Dites bonjour à National 7 et vous dites bonjour au Rhône donc. Hein. J'espère que vous m'entendez. Bon, c'est normal, je suis à côté de la National 7, donc comme j'ai dit, donc forcément un bruit. Mais donc voilà, Rhône. Je vous retrouverai un petit peu plus loin. Donc oui, on va aller faire un tour sur la colline là-haut. Allez, à tout de suite les gens. J'avais peur qu'il y ait un petit peu de vent. Alors j'ai pris un gilet, mais je sais pas si j'ai bien fait en fait. Là, on traverse le Rhône sur la passerelle piéton. Truc intéressant, c'est que vous allez voir là au niveau de l'Arche, là je suis dans le département de l'Isère, je passe l'Arche, je suis dans le département du Rhône, le fameux département que tous les pervers de France auront déjà reconnu, hein, le Rhône. Voilà, il y a la petite caméra là sous l'Arche. On est au milieu du Rhône, de toute façon on est au milieu du Rhône là. Hop, je passe dans le Rhône. Voilà, c'est fait. Donc maintenant on va. Et regardez, château vieux aussi là par là. Bon, mais on les verra mieux de là, on verra mieux de là où je vais. Et là c'est la cathédrale de Vienne. Voilà, cathédrale Saint-Maurice. Allez, je vous retrouve après. Donc là, je suis à Sainte-Colombe. En route pour aller récupérer l'endroit où j'ai dit. Allez, jour férié, hein, donc tout est fermé forcément. C'est pour ça que c'était relativement tranquille là, sur la route. J'en profiterai pour un petit peu faire le point sur ma chaîne.
quand on sera là-haut et que je serai encore un peu plus essoufflé et que ce sera encore un peu plus insupportable à m'écouter. Voilà. Petit détail comique pour ceux qui suivent mon let's play sur SimCity. Oui, bah voilà. La ligne de chemin de fer qui est de l'autre côté du Rhône, bah elle est là. Je l'ai pas inventé, hein. Ah, la ligne de chemin de fer de l'autre côté du Rhône est là. C'est l'invention, c'est même pas. Il y a vraiment une ligne de chemin de fer de chaque côté du Rhône. Pouf. Allez, je vous retrouve quand je suis un peu plus haut. Salut. Encore une anecdote marrante pour ceux qui suivent mon let's play SimCity. Là, on est près de l'endroit où j'avais mis le parc de désert, si vous voyez. Qui est le parc de désert, qui est une invention pure et simple. Mais l'autoroute qui passe à cet endroit-là, et eh ben c'est un élément réel de la vraie vie. Parce que là, voilà l'autoroute. Là, je passe en dessous. Là, comme vous voyez, il y a quand même pas beaucoup de choses que j'ai repris du vrai site. Hein. C'est pas tout à fait le cas à chaque fois. J'ai fait beaucoup d'adaptations. Hein. SimCity est comme ça, mais il y a pas mal de choses que j'ai repris de la vraie vie. Genre l'autoroute là qui passe au pied de la colline. Parce que juste qu'on a passé le. Tiens, une voiture. Hop. Juste quand on a passé l'autoroute, et eh ben ça grimpe. Voilà. Ok. Un bon petit passage qui passe par là, mais ils ont tout cradé. Ils refont des tuyaux, je crois. Oui, parce que ça c'est une rigole d'orage, ça, ici. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer d'aménager le truc. Et de refaire une... Voilà. De refaire une... De refaire un... Une promenade bien propre. Ils sont obligés de drainer... Puis ils ont été obligés de drainer le terrain aussi. Oui, parce que je suis botaniste, mais il y a aussi... Enfin, il y a aussi... que s'appelle... Mais j'ai aussi fait des études dans les réseaux et assainissement, donc forcément. Je comprends bien ce qu'ils font ici. Ils refont une promenade et ils drainent le sol. Ça a donné de la merde là, ce que je suis en train de faire. Par contre, regardez ce côté. Et viennent. Et on est qu'à mi-pente. Hein. Alors je vous dis pas la vue qu'on aura de là-haut. De toute façon, attends, je m'attends, vous m'accompagnez. J'en ai marre de marcher tout seul. Et hop, on récupère la route qui va je sais plus où, pour que je vous dise. Je pense que je mettrai une annotation dans la vidéo pour vous dire où va cette route. Évidemment, je suis en train de perdre mon manteau, oui. Parce que je l'ai enlevé. Excusez-moi. Voilà. Et ça continue de grimper. Le problème c'est que si je vous filme tout en entier, la vidéo va faire 15 heures. Donc je retrouve là-haut et on cause un petit peu de ma chaîne. Poison droit devant. Ces baies sont toxiques. Ouais. Si je ne dis pas de conneries, c'est de la belladone. C'est toxique. Ne pas manger des enfants.
Ça c'est hyper dangereux là. Je vais me mettre de l'autre côté. Yeah. Ancien égout de pluie, il y a encore un petit peu d'eau qui coule là. Donc il y a une petite source là-dedans. C'est hyper dangereux cette route à faire à pied. Donc faut y aller tout doucement. Après, voiture qui monte. Oui, à force de presque plus belle vue de la journée. Vienne. C'est joli. Excusez-moi, ça tremble un petit peu, je viens de me casser la figure. Voilà. La ville de Vienne. Tranquille. Qui va jusque là-bas. Et qui remonte jusque où on peut pas voir. Ça, c'est le centre-ville ici. Et ça continue à perpétuer les oies par là-haut. Alors le monument que vous voyez tout au fond, ouais, je pense que vous voyez, c'est Notre-Dame du Pipet. Je vous mettrai une photo de ce qu'on voit de là-haut parce que le point de vue est relativement nice aussi. Et ben, le tuyau du futur qui s'incruste, voilà la petite vue. Bah, je trouve qu'elle est sympa aussi. Hein. Voilà, comme ça. Vous avez vu les deux côtés. Mais j'y reviendrai en vrai. Hein. Mais moi je voulais vous montrer Vienne. Donc. En dessous de Notre-Dame du Pipet, vous voyez une formation bizarre, c'est un amphithéâtre romain. Je sais, je l'ai mal mis dans SimCity. C'est pas la peine de me le dire, je sais, je suis au courant, j'aurais pu mettre de l'héroïne grecque à cet endroit-là, mais non. Allez, c'est pas plat par ici. Allez, je vais essayer de redescendre sans me casser la gueule. Et on se retrouve tout en haut cette fois. Je vais vraiment aller tout en haut de la colline. Mais voilà, vous avez déjà un beau point de vue ici. Rue du Vieux Chêne. Faut y foutre de la gueule de qui? Vous avez vu un chêne vous? Non, moi je vois un champ. Et un champ et un magnifique panorama. Allez, ce coup-ci on est presque en haut. Et le temps que je termine la montée, ben, on va parler de ma chaîne. Alors ma chaîne, qu'est-ce qu'elle devient ma chaîne? Ben, ma chaîne, comme vous avez pu le voir, il y a... Enfin, le Morrowind sort doucement, mais sûrement. L'épisode est sorti hier. Enfin, on est le 1er mai aujourd'hui, je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais donc oui, l'épisode 7 est sorti hier. Toujours en attente de ma collègue pour pouvoir faire le let's play surprise. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je pense que SimCity 3000, on va en voir le bout dans environ, je pense, finir la série vers l'épisode 25. Ça fait suffisamment grand, je pense. L'épisode 25, peut-être entre 25 et 30, mais ça dépassera pas les 30 épisodes. Et après, SimCity, un autre jeu de stratégie pour remplacer. Mais il est moins gestion et il est plus bourrin. C'est plus. Parce que SimCity. Ah, j'aime bien, putain. Voir un petit peu de la nature, ça fait plaisir. Ah, bordel. Ça me rappelle où j'habitais avant. C'est aussi bien. Partie qui sautera au montage. Voilà. Ou pas d'ailleurs, ça peut faire un vieux blooper tout pourri. Mais je préfère pas trop que les gens voient que je filme auprès de chez eux.
super vite. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Je suis dans un coin vraiment paumé de la vie et des hommes. Et j'arrive quand même à croiser des voitures. Ah. Je sais même pas quel, enfin, je sais même pas combien de temps elle va faire la vidéo. Mais donc oui, le SimCity c'est bientôt fini. Golden Sun, j'ai même pas fini le 1, donc j'ai vu qu'il y a de l'eau qui suit derrière. Laissons Golden Sun filer comme il se doit. Sinon, ma 200e vidéo c'était une vidéo de Golden Sun, comme ça c'est cool. Et si je ne m'abuse, il me semble que la première, enfin la 100e vidéo c'était aussi une vidéo de Golden Sun, donc. Golden Sun et moi, une grande histoire d'amour. On peut dire ça comme ça. Donc là, c'est une vallée. Et puis je pense, enfin, je regarde un petit peu. Donc oui, voilà pour ce qui est des. Donc bientôt un nouveau, enfin bientôt deux nouveaux let's play du coup. Je pense qu'ils vont à peu près arriver en même temps. Peu de choses près. Donc oui, là c'est chez quelqu'un. Il fait pas super beau aujourd'hui, dommage. Je vais rentrer avant de me prendre un orage sur la gueule, surtout. Enfin bref. Et sinon, ben en fait, là je suis en train de me balader, je suis en train de me dire que ces petites vidéos IRL en mode je me balade, il faut regarder le paysage avec moi, ça pourrait faire partie d'une nouvelle section sur ma chaîne, juste pour le fun. Vous voyez un petit peu le paysage, un petit peu les coins de où je suis. Ça peut. On peut éventuellement dire que là c'est un pilote. Pour ça, je pense que j'en ferai quelques-unes. Des vidéos IRL. Où je changera des jeux vidéo. Et si je fais un truc sur les vidéos IRL, il y aura un peu de tout. Hein. Il y aura un peu de tout, il y aura de la balade, il y aura. Je sais pas, des conneries, on verra bien. Mais. Voilà, en attendant, moi ça me fait plaisir de faire un petit vlog avec vous dans la nature, en vrai, par chez moi. Et les oiseaux qui veulent. Je suis désolé si ça vous a donné le mal de mer aussi. Hein. Je suis désolé parce que je sais que ça peut être pas cool. Il y a une petite vue sur Vienne en contrebas. La vallée de la Gère derrière, on voit le creux là. Vous voyez le creux, il y a des bâtiments derrière. Bâtiments industriels. Encore une référence à SimCity. Ding dong. Encore une référence à SimCity, bâtiments industriels derrière la colline. Comme quoi je gère, hein. Faut pas croire. Et donc le Pipet là-bas. Superbe centre-ville de Vienne. Les maisons sur la flanc de colline. Ça, j'ai pas pu le faire parce que SimCity 3000 n'accepte pas ce genre de délire. Mais ça m'aurait fait bien plaisir de pouvoir faire ça, mais. Enfin bref, là je suis sur la ligne de colline que j'ai mis. On va dire que si c'était vraiment le cas, et c'est pas vraiment le cas, mais si c'était vraiment le cas, il y aurait les centrales nucléaires de l'autre côté de la colline. Si quelqu'un veut un taudis. Hein. Pourquoi pas? Super baraque pittoresque avec un petit potager. Mais toute déglinguée la baraque. Hein. Soyons honnêtes. Et la vue est pas mal quand même. La vue est pas mal. Sur le toit, ça doit être sympa à regarder, mais ça doit être un peu pète gueule aussi. Mais elle est en mauvais état la baraque, ça toi. On s'arrête encore 5 minutes pour observer le grand, le beau, le superbe paysage. Et on entend les sirènes au loin, je sais pas si vous entendrez dans la vidéo, mais on entend les sirènes au loin. Pimpon, pimpon, pimpon. Elle m'appelle, il faut que j'y retourne. Ces sirènes m'ont moindre dague. C'est le seul truc qui me fait chier ici en fait, c'est les sirènes. Avec la N7 juste à côté, c'est pas étonnant. Allez, bon, allez,
je redescends chez moi et je vous laisse. C'était Battu 55 en direct de Deschamps, au-dessus de la ville de Vienne, dans l'Isère, enfin à la limite de l'Isère et du Rhône. Donc voilà, je vous retrouverai sur d'autres vidéos. À bientôt. Je résiste pas à l'envie de vous refaire un petit panoramique. Je suis en train d'explorer, hein. Je suis dans un coin, je sais pas si ça va donner grand chose. Mais jusque là, je vais pas me plaindre. Ça c'est l'hôpital de Vienne, ça là-haut. Et ça c'est le centre-ville. Et là c'est le pont sur... il y a le pont sur Rhône en dessous là. Et voilà, ça c'est le centre-ville en face. Et moi j'habite quelque part là-dedans. Voilà. Et ce trail qui chante. Nice. L'avion. Tourterelle. Et un putain de point de vue, les gens. Alors là, je vais monter là-haut et je vais me retourner, vous allez voir. Et donc ça, c'est le principe des vidéos IRL que je peux faire en mode balade dans les champs. Je vais monter là. Hop, hop, hop. Sur la pointe. Et attention. Bon, là, on voit que les collines continuent par là-bas. Et si je me retourne, attention les yeux. Voilà, on est tout en haut de la colline. On est tout en haut de la colline et voilà le putain de point de vue que je voulais voir aujourd'hui. Alors je sais pas si on les voit bien, mais on voit bien de la nébulosité en face et là sur le côté d'ailleurs. On voit des masses sombres au fond sur la ligne d'horizon, vous regarderez bien. Enfin, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais c'est dommage d'ailleurs si ça se voit pas sur la vidéo, c'est dommage. Mais il y a les Alpes là-bas, on ira faire un tour aussi par là-bas une prochaine fois. Là aujourd'hui, c'est comme je dis, c'est la première vidéo et il y en aura d'autres, hein. Définitivement, je m'en fous, même si personne regarde, même si vous aimez pas, j'en ferai d'autres parce que moi j'adore me promener. Voilà, tout ça pour ça, mais ça valait le coup d'œil. Faudra que je regarde c'est quoi la ville là-bas, enfin le village là-bas tout au fond, parce que là on a une vue sur l'ancienne vallée du Rhône. Que le Rhône, il se déplace, il s'est déplacé au fil des ans, enfin au fil des siècles, même des millénaires. Et à une époque, il était là-haut, de l'autre côté. Il n'était pas au même endroit. Il a dérivé un jour. De toute façon, tous les gros fleuves ont ça dans leur histoire à un moment ou un autre. Soyons honnêtes. Donc voilà. J'aime bien. Je me suis déplacé dans le 38 pour trouver plus de taf. Et plus de villes que là où j'habitais avant. Et dès que j'ai un moment de libre, je m'en vais dans les champs. Hein, me viens un jour, me viens toujours, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Là, je vous la remontre. Là, là c'est dommage, il fait pas grand beau. Hein. Mais on voit le soleil qui se reflète sur les glaciers là-haut. Et vous voyez deux points blancs. Normalement, dans les nuages, deux points blancs, un peu plus blancs que les autres. Je sais pas si ça se verra, mais je verrai ça au montage. Mais là-haut, on voit les Alpes, hein, clairement. C'est ici, si on les voit, il n'y a pas de problème.
Et donc voilà. Ah, bordel. Je pourrais rester là à fumer pendant des heures, parce que j'adore ce point de vue. Ouais, bon allez, faut quand même que je me rentre avant qu'il y ait une averse ou je sais pas quoi. Tiens, on voit le massif central là derrière. Ouais, je suis là. Facilement, cet endroit-là, où tout converge. En gros, on a les Alpes. Massif central. Massif central. Alpes, massif central. Je vais faire ça pendant des heures. Ah, et puis Lyon est juste derrière la colline, mais on voit pas ici. On voit pas Lyon. Il n'y a plus de place sur mon téléphone, donc je vais devoir vous laisser, les gens. Voilà. Allez, je vous laisse. Lyon, c'est pas moche, contrairement à ce que j'ai dit. Ça, par contre, c'est moche. Les immeubles là-haut, c'est moche. Allez, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. À plus tard. Salut.